Mais ici, c'est pire. On dit que des gens auraient mystérieusement disparu dans la forêt. Un homme, sorte de sage, qui aimait profondément la nature, vivait seul dans la forêt. Un jour, alors qu'il allait cueillir des baies, quatre hommes mirent le feu à sa cabane et à la forêt. Il se saisit d'une faux et la recourut après, puis les perdit de vue. Hors de lui, il jura bien fort que quiconque s'en prendrait à la forêt mourrait tué par ses amis les arbres. On ne les a jamais revus. On retrouve cette légende au XVIIe siècle. Elle dit que quand des pentacles apparaîtront dans le sol près de la fontaine qui se trouve au centre de la forêt, les arbres feront des victimes. Eh bien, Mathéo, c'est à toi ? Oui, des victimes. Depuis des années, la forêt de Malicia abrite une étrange malédiction. Une malédiction que certains préfèrent appeler légende et qui nourrit depuis bien longtemps d'interminables conversations ici, à Saint-Symphorien. C'est bien beau, mais et ça tue avec quoi les arbres? Les branches? La sève. Enfin, voilà. Bon, Sébastien, tu te tiens correctement. Avez-vous d'autres questions? C'est Jacques Lhermitte qui t'a raconté toutes ces histoires. Ah oui, tu sais bien, il est spécialiste de la région. Tu ne le connais pas? Il est toujours à la bibliothèque. Voilà. Oui. C'est quoi des pentacles? On les voit dans des églises, c'est lié à des religions. Ça ressemble un peu à ça. Pourquoi j'aurais inventé tout ça? J'ai tant d'épreuves, montre-nous. Peut-être qu'il dit vrai, après tout. C'est tellement vrai que tu veux pas aller voir les flics. Mais c'est très bien, c'est à cause de mon père. Alors rien que le mot flic, ça rend ouf. Si c'est les types qui voulaient raser la forêt pour l'aboutissement, vous pouvez pas les voir. Mais quand même, les tuer. J'arrête pas de penser que c'était comme dans ta légende. Deux morts dans un patin. Comment ça, ma légende? C'est pas moi qui l'ai inventé. Pas de poids quotidien, pas de poux radial. Moi, ma victime, elle est froide. Ouais, ouais. Elle est en état cadavérique.
Pareil, idem. Ils ont arrêté Jacques. Les gendarmes, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est lui? C'est pas possible. Oui, mais le pentacle, c'est lui qui était le premier sur les lieux du crime, c'est le premier témoin. Tu crois que c'est lui? Comme je restais immobile, stupéfait et ravi, un bruit subit derrière moi me donna une telle secousse que je me retournai d'un bond. Un vieil homme vêtu de noir, avec un livre sous le bras, m'ayant salué, me dit: ainsi, monsieur, vous visitez notre pays. Je lui racontai mon enthousiasme et la frayeur qu'il m'avait faite. Il continua: ici, monsieur, il y a dans l'air tant de légendes que tout le monde a peur sans savoir de quoi. Voilà 5 ans que je fais des fouilles sous ces pierres. Elles ont presque toutes un secret. Apporte-moi ce portable, dépêche-toi. Je vous jure, je l'ai oublié. Donne-moi, je ne peux pas courir de mes dents. Allez, on va. Allez, on va. Il appartient peut-être au meurtrier, ce médaille. C'est la médaille de mon père. Enfin, c'est à ma mère. Il est plus comme avant. Les promoteurs nous ont pourri la vie. Il avait la rage contre eux. Il allait perdre son travail. Plus besoin de garde forestier. Le pire, c'est quand ils sont venus lui proposer de l'argent pour... parce qu'ils voulaient acheter notre terrain, notre maison pour le lotissement. On avait l'impression qu'ils voulaient tout nous prendre. Le jour où ils sont morts, ils devaient leur faire visiter la forêt. Ils avaient rendez-vous à la cabane. Il a préparé une bouteille avec des pesticides. Mais pourquoi ton père aurait fait un pentacle et toute cette mise en scène? Je lui ai tout raconté, l'exposé. Car j'ai adoré ton histoire. C'est lui. C'est pas possible. On devrait en parler à quelqu'un. Mais à qui? Tu crois que c'est si facile, toi? Je peux être séparé de mon père. S'il va en prison, ils vont me placer. Mais non, ça peut pas être lui. Qu'est-ce que tu crois? J'ai personne à part moi.